Bienvenue sur jeconstruismamaisonavec.com, le portail internet qui vous donnera accès aux fabricants de matériaux et d'équipements, ainsi qu'aux prestataires de services nécessaires à la construction de votre future maison. En tant que professionnels de la construction de la maison individuelle, nous allons vous présenter la mise en œuvre de nos produits et la qualité de nos services. L'extérieur de votre maison est désormais terminé. Il est temps maintenant de s'occuper des éléments intérieurs, tels que votre escalier. Nous, PBM, sommes les spécialistes de l'escalier béton en kit. Nous allons vous présenter l'installation de cet escalier Escalakit, double quart tournant, nommé B2M. La pose de cet escalier nécessite peu de matériel et se réalise en seulement deux étapes de 3 heures avec deux personnes, professionnelles ou non. Le kit vous est livré prêt à monter sur deux palettes. Les éléments sont numérotés et un plan de montage vous facilite la pose de votre escalier. Après vous être approvisionné chez votre négociant de matériaux du nécessaire de montage, béton, scellement chimique, joint de calage, armature, étai, vous pouvez désormais débuter la pose de votre B2M. Le premier élément de votre escalier s'appelle la dallette. Elle se positionne à la verticale du bord du palier et bien parallèle à votre mur. Elle est composée de 8 encoches à marquer au sol. Une fois les marques faites, des trous y sont percés afin d'y installer des fers pour armer le béton de votre escalier. Un scellement chimique est déposé dans chaque trou pour fixer les fers durablement au sol. Cette étape permet de bien maintenir les armatures lorsque le béton sera coulé. Du mortier est placé au sol et on dispose à nouveau la dallette sur ses repères. Il ne reste plus qu'à vérifier qu'elle est à niveau pour passer à l'étape suivante. Selon votre configuration, cette dallette devra être intégrée ou non à votre B2M. Avant de poser le premier fût de la colonne de l'escalier, on dépose un peu de silicone pour absorber les vibrations et rendre étanche la jonction des deux fûts lors du coulage du béton. Le premier fût peut alors être installé et mis à niveau. Avant de mettre la première marche, il est nécessaire de préparer une cale pour soutenir la marche le temps de couler le béton dans le fût. Comme pour la dallette, on pose à nouveau du silicone pour les vibrations et l'étanchéité. Puis on installe la première marche. Elle s'emboîte parfaitement dans le fût. La marche possède elle aussi un fer d'armature qui, une fois pris dans le béton, renforcera durablement la solidité de votre escalakit. La première marche est désormais terminée. Il ne reste plus qu'à répéter les actions pour installer la deuxième marche et les suivantes, sans oublier de bien vérifier que les éléments sont bien à niveau et d'assurer la position des étais. Arrivé à mi-hauteur de l'escalier, il est nécessaire de couler du béton dans le fût. Le béton frais en place, on ajoute ensuite des nouveaux fers pour poursuivre l'armature de l'escalier. Pour le maintien des pièces déjà posées, on place des boulons en bout de marche dans l'emplacement prévu à cet effet. Nous sommes désormais à la moitié de la pose de votre escalier. Une fois le béton séché, on poursuit l'installation des éléments jusqu'à atteindre le palier de l'étage. De nouveau, on remplit le fût de béton à ras-bord en y insérant les fers d'armature. Il est possible de monter si nécessaire des fûts supplémentaires ou de simplement fermer les fûts avec un couvercle de finition. La pose de votre escalakit est terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre étage. Il faudra toutefois attendre un délai réglementaire de 28 jours avant d'enlever les étais positionnés sous les marches. Il est possible de personnaliser l'aspect de votre escalakit. Consultez votre négociant de matériaux pour d'autres finitions et accessoires, béton ciré, béton peint, carrelage, garde-corps, éclairage. Nous, PBM, concevons et fabriquons de nombreux types d'escaliers en béton afin de répondre à tous vos besoins d'intégration dans vos projets de construction de maisons individuelles. De plus, le béton est un matériau solide, silencieux et durable, à l'instar du bois. Avec PBM, leader européen de l'escalier préfabriqué, profitez longtemps des avantages de l'escalier béton en kit, Escalakit.